forever, ever, or to never mind. Oh, I. Donc voilà, ici on a là le trop-plein pour les cuves. Et là, la tranchée où c'est qu'on a une arrivée d'eau qui sera reliée sur une pompe des cuves, récupération d'eau. Une alimentation, la grosse gaine que vous voyez là, ici, en 6 carrés. Celle-ci, c'est une alimentation pour l'interphone. Et ça part, ça fait tout le tour là-bas, jusqu'au portail qu'il y aura, le futur portail qui sera vers là-bas. Donc on tire une alimentation d'eau aussi, parce qu'en tuyau 32, car ça nous permettra de, on va traverser en fait le parking là, et on va aller le mettre en face avec une alimentation électrique aussi, que si un jour on a besoin de faire un éclairage dans le parc vers là, on va en faire plusieurs hein, qui vont traverser des alimentations, mais au moins il y en aura une à l'entrée là pour mettre des poteaux éclairants ou quoi que ce soit. Là on a mis une alimentation rien que pour le portail et une alimentation rien que pour les éclairages. Là, on a le tuyau d'eau et l'arrivée électrique pour faire l'éclairage dans le parc. Et ça partira comme ça, de l'autre côté là-bas. Mais on a du mal à pouvoir faire la tranchée. Donc ça, c'est l'entrée d'une cave. Qui est en dessous. Là, on voit le premier linteau qui est tombé. Beaucoup de pierres qui se sont effondrées. Au-dessus, il y avait un figuier qu'on a fait tomber. Et on pense que ce sont ses racines qui ont tout abîmé comme ça. Donc là, hop, c'est un conduit, comme un conduit en pierre, qui mène à une cave voûtée en dessous, qui a comme ouverture que celle-là. Ça fait un couloir de pierre.
Donc on va tout fermer, tout boucher. On va faire tomber ce dernier linteau là qui reste. Tout seul d'ailleurs, parce qu'après derrière il y a un trou. Voilà, ça c'est l'ancien figuier là qu'on, j'espère qu'on a réussi à massacrer. Qui poussait dans les pierres. Et donc après il faudra remonter un mur. Donc de là jusqu'à la hauteur, hop, de là. Parce que là derrière, c'est la terrasse d'un gîte. Enfin, ça sera la terrasse d'un gîte. Et je pense que ce conduit, on va entièrement le boucher de pierre en laissant un tuyau PVC en sang pour pouvoir y mettre une aération parce que c'est la seule ouverture de la cave voûtée en dessous. Voilà, donc là on voit bien que ça s'est bien effondré. Et donc ça sera la terrasse privée d'un petit gîte qui sera ici. Ce sera un gîte pour deux personnes, mais bon, ben voilà, il reste tout à faire dedans aussi. Il faut monter le mur au bout. Ça c'est l'accès à l'intérieur du gros gîte qui est à côté, qui est au bout du bâtiment qu'on est en train de faire. Et là, ça sera une salle de réunion ou de petit déjeuner, on verra. Et on vous parlait des linteaux aussi qui étaient tombés sous la terrasse du gros gîte. Hop. On va aller voir ça tout de suite, vous allez comprendre. Voilà, c'est cela. Donc nous, on avait refait des linteaux. Mais comme la terrasse au-dessus, elle est pas étanche, à chaque fois qu'il pleut, l'eau passe à travers. Et donc les pierres ont continué à tomber malgré qu'on avait tout cimenté. Donc on a mis des étés en attendant. Et l'autre à côté, c'est pareil. Donc c'est la prochaine étape du maçon qui nous refasse les linteaux propres de ces pièces voûtées qui sont en dessous. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on en fera. Ce sera sûrement du stockage parce qu'elles sont un peu humides, elles sont sous la terre. Mais il faut absolument qu'ils nous refassent les linteaux pour que nous, après, on puisse remonter les murs de la terrasse, là, comme il faut. Et qu'on sécurise le tout.
Bon, ben, on est obligé de tout faire tomber pour pouvoir enlever cette souche avec ces racines là. Il y a une autre racine là. On garde les pierres et on remontera le mur comme on pourra, au mieux qu'on pourra plus tard. Comme ça, là, on va aussi refermer ce trou. Donc là, on remontera tout en un seul mur. On laissera juste un tuyau pour éventuellement mettre une ventilation dedans. Et voilà. Donc là, on a un peu rebouché. Et là, on va aller chercher le tractopelle pour essayer de sortir cette souche avec ses racines. Thank you.